Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler de marketing data intégré et des nouvelles opportunités qui sont offertes par les technologies et le temps réel, notamment pour optimiser les stratégies digitales et la relation au consommateur via une connaissance client approfondie. Donc avant tout, laissez-moi vous présenter Édouard Perrin, qui est directeur marketing et digital de MAF, qui va revenir sur son expérience de structuration données first party, et Karim Louedec, qui est donc Chief Data Scientist chez M6. Je t'en prie, Edouard, présente. Ouais, alors, c'est MACSF, ouais. C'est pas MAF. Donc MACSF, c'est une mutuelle en deux mots, hein, de professionnels de santé qui travaillent exclusivement avec des pros de santé. Et à la MACSF, donc, je m'occupe effectivement du marketing et du digital, avec énormément de choses autour de la donnée, mais on y reviendra juste après. Karim, je te laisse te présenter. Et le groupe M6, pour ceux qui ne le connaissent pas, alors je pense que ce que vous connaissez, c'est d'abord toute la partie audiovisuelle, mais le groupe M6 est également une partie digitale avec une plateforme de replay qui se nomme Sisplay, également plein de sites internet calés sur des verticales bien précises telles que Cuisine AZ, Passeport Santé, Turbo, Clubic, etc. Et donc moi je suis en charge au marketing business development de toute la partie data stratégie et data science pour le groupe M6. Alors durant les différentes interventions précédentes, on a parlé de la connaissance du consommateur. Donc il est clair qu'aujourd'hui la connaissance consommateur c'est clé. Donc les premiers à s'être intéressés au sujet, bien évidemment, sont les géants américains. Pourquoi ? Parce qu'il est crucial aujourd'hui de connaître ses consommateurs si l'on souhaite optimiser l'expérience client et maximiser ses ventes. Il est stratégique finalement de pouvoir adresser les consommateurs en fonction du canal de vente préféré, de leur centre d'intérêt, du profil socio-démographique qu'on peut connaître d'eux, dans le but en fait de pouvoir optimiser les différentes stratégies, que ce soit sur site ou bien les stratégies de campagne. Donc comme vous le savez tous, le CRM onboarding finalement et la connaissance client ont fortement impacté la manière de concevoir et d'opérer des campagnes publicitaires, en renforçant notamment la valeur de la fonction temps réel, donc pouvoir utiliser des données first party, des données seconde partie ou third party sur l'ensemble des canaux, dans le but de pouvoir engager une relation avec les consommateurs. Donc aujourd'hui, il est très clair que c'est les prémices. Seulement 57% des marketeurs déclarent ne pas être, enfin, 57% pardon, des marketeurs déclarent ne pas avoir encore un marketing data intégré. Donc comme tout le monde a commencé à structurer sa donnée, finalement first party, tout le monde a commencé à utiliser un petit peu de données third party, mais on n'est pas encore arrivé au stade d'une structuration en fait cross-canal complètement intégrée, parce qu'il y a des problématiques organisationnelles. Il y a des problématiques technologiques et donc petit à petit on y travaille pour justement tendre à une optimisation des messages cross-canal. Donc je vous propose de démarrer par une petite vidéo pour introduire le sujet et puis on reviendra ensuite sur le retour d'expérience d'Edouard et de Karim. What's next is always being put in front of us. Next time. You can either run from what's next, or you can become what's next. You're next. You can create the next video that will set the internet on fire. You can invent the next product that will change the world. You can redefine your industry, or create a new one. But to pull that off, you gotta understand people. Real people, in the real world. Coming up next. So you're gonna need real data. Data you can use. Data you can trust. Data backed by real science. When you have that kind of data, you'll not only see what's next, you'll get there first. So, the next time the world asks what's next, you have the answer. Alors Edouard, que vous inspire cette vidéo par rapport à la structuration de vos données et besoins pour vos consommateurs ? Enfin nous c'est effectivement un peu ce qu'on cherche à faire, c'est de prédire ce qui va arriver.
Et alors avec deux grands horizons, hein, tout ce qui est risque, tout ce qui est produit, puis tout ce qui est aussi marketing, relations clients. Et c'est vrai que c'est un peu le graal de prédire là la meilleure prochaine action pour être le plus efficace possible. Karim. Sur la structuration des données, alors peut-être pour faire un bref rappel, donc nous, M6, on va se placer dans le cadre où on est un publisher, et on a lancé ce programme data là il y a un petit peu moins de 2 ans. Alors concernant la structuration des données, c'est déjà quelle source de données on a. Donc en tant que publisher, on a toutes les données de navigation, on a également toutes nos données clients. On a également donc données de navigation grâce à une DMP, données clients, notre CRM. On a également toutes nos données ad serving, puisqu'on vend de la publicité aux annonceurs. Donc structuration des données, c'est une DMP, comme on a dit tout à l'heure, plutôt utilisée par le marketing et par des gens qui n'ont pas obligatoirement un background technique. Et ensuite, on a tout ce qui est déverser ces données-là dans une plateforme Big Data, où là, en fait, vous avez vraiment le terrain de jeu des data scientists de votre programme data. Alors nous, chez M6, on a fait le choix d'avoir la DMP et cette plateforme data. En termes de coûts, c'est bien plus ambitieux, puisque c'est pas juste avoir une plateforme, c'est également se staffer. Oui. Avec des data scientists, des data analysts, data stewards, PO data, responsables techniques data, etc. Et donc, cette structuration de données, on l'a faite et on continue à chaque fois qu'on a une nouvelle source de données ou un nouvel outil à connecter dans ce programme. Alors justement, qu'est-ce qui a été le plus challenging pour vous en interne dans la structuration des données? Est-ce que ça a été la coordination entre les services? Est-ce que ça a été les technologies utilisées? Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu justement sur cette expérience? Oui, concernant les sources de données, alors M6 a 30 ans le 1er mars prochain, donc mercredi prochain. Donc la donnée, on en a, mais certaines, c'est vrai qu'elles étaient dans des infrastructures plutôt anciennes. On a également eu plusieurs rachats de sites internet. Donc quand on a lancé ce programme data, on avait 4-5 CRM différents. En fonction des sites internet. On avait cette source de données DMP, celle-ci c'était la dernière, donc elle était plutôt facilement ingérable dans cette plateforme. Les données d'ad serving, on ne les demandait pas à nos partenaires à l'époque, donc il a fallu les demander, rajouter ça dans les contrats pour ensuite les ingérer et les avoir également dans cette plateforme-là. Et ensuite essayer de tenter en fait d'avoir des réconciliations entre toutes ces bases là, puisque le but de cette plateforme c'est de casser les silos, et casser les silos on a un intérêt si finalement on arrive à intégrer et à réconcilier le maximum de ces données là. Donc nous on l'a fait aujourd'hui pour le CRM. Chez M6 tout ce qui est CRM digital est réconcilié. Grâce à la DMP, on arrive à avoir le lien entre le CRM, l'ad serving et les données de comportement. Et vous, Edouard, donc de votre côté, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur votre expérience de structuration de données first party? Oui, alors chez un acteur de mutuel. Alors, je vais revenir déjà sur deux trois basiques, à la fois sur l'assurance et sur MACSF. L'assurance, il faut avoir en tête que c'est une industrie de données. Donc ça fait en fait des dizaines et des centaines d'années que l'assurance manipule des données. Donc on a déjà du coup des architectures, des compétences pour le faire. À la MACSF, de manière plus particulière, nous on a deux signes distinctifs, deux particularités. C'est déjà, on n'est pas forcément dans des logiques de conquête, on est plutôt en multidétention. On a des taux de pénétration qui sont très importants, très significatifs, et du coup, on va plutôt travailler à équiper notre portefeuille plutôt qu'aller chercher les gens à l'extérieur. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est on a la chance d'avoir une connaissance client qui est assez significative. Alors déjà, on a un fichier client unique, donc c'est un vrai fichier client unique, hein, où que vous soyez, quel que soit le canal ou la base métier, vous pouvez y accéder et le modifier. Et ensuite, on a des taux de renseignement
des données de contact qui sont vraiment importantes. Enfin, nous, en tout cas, on est très contents de nous. Pour vous donner quelques chiffres, en numéro de téléphone portable, on a plus de 75% de taux de renseignement, et en taux d'email, on a aussi plus de 75%. Donc, ça veut dire qu'on a la base client, finalement, parce qu'on a le taux de pénétration et on a les moyens de contacter. Donc, c'est pour ça que nous, on est vraiment parti aussi sur une logique de s'appuyer sur nos propres canaux, email, SMS, push, etc., notifications, pour adresser notre base client et un petit peu moins aller les chercher sur le net comme d'autres concurrents ou d'autres industries peuvent être amenés à le faire. Donc, en partant de ces grands constats, bon, je ne vais pas revenir sur ces quelques généralités, mais le monde change, hein, enfin, il n'y a pas de surprise. Donc il y a des nouveaux usages, des nouveaux canaux, des nouvelles technos, et tout ça implique plein de choses sur les données. Donc sur les données, là où il y a quelques années on avait peu de bases et plutôt des données entre guillemets froides qui bougeaient assez peu, on est passé sur beaucoup de données, beaucoup de bases différentes avec des interactions beaucoup plus importantes entre le client et nous. On a du coup lancé un certain nombre de travaux sur l'ensemble de ces données, à la fois pour en acquérir plein de nouvelles, parce qu'il y a plein d'autres sources. Donc on a commencé par d'autres first parties comme nos données internet. On a tagué le site, on a cookifié l'audience, etc., pour avoir beaucoup d'autres infos. Puis il y a aussi des sujets techno, parce qu'au bout d'un moment, il y a quand même un peu de techno, et on a du coup travaillé à de nouvelles architectures et de nouvelles manières d'exploiter ces données. Merci. Alors Karim, est-ce que on pourrait revenir sur justement la problématique d'avoir une connaissance client qui est interne et qui du coup est limitée à son propre environnement? Comment on fait pour pallier justement à ces problématiques? Comment vous faites aujourd'hui très concrètement? Est-ce que vous activez de la donnée third party? Est-ce que vous utilisez des données seconde partie de campagne? Est-ce que vous passez des partenariats justement spécialisés avec d'autres éditeurs qui peuvent vous permettre d'améliorer votre qualification? Comment voilà, vous fonctionnez aujourd'hui? Moi je vais me focusser, si ça ne vous dérange pas, sur notre offre pub data, puisque là, c'est là en fait où on a le plus gros challenge sur cette third party data dont on va discuter. Alors pour rappel, notre offre pub data a été lancée fin 2015, où on avait quatre, où on a toujours quatre typologies de segments qu'on appelle les smart people pour tout ce qui est données socio-démo déterministes récoltées sur nos actifs digitaux. On a également les smart lovers, où là ce sont des cibles affinitaires. Typiquement, si vous voulez cibler les fans de cuisine, ben sachez qu'on a Cuisine AZ qui est le portail cuisine numéro 3 en France. Également, vous pouvez avoir la même chose sur la high-tech, sur la santé, etc., etc. On a après les smart buyers qui sont plus la cible des intentionnistes, où là nous on se rattache encore sur de la donnée déterministe. Comment ça? On a par exemple Clubby qui est un site également guide d'achat et comparateur de prix, et donc ce que l'on appelle déterministe dans l'intention, c'est en fait nous allons taguer l'ensemble des personnes qui en ayant vu un produit sur notre site internet sont passées sur un site marchand, et en fait cette transition de clubby.com vers un site marchand va être taguée comme personne intentionniste sur la high tech, sur la cuisine, sur la déco maison, etc. Donc, à ce jour, sur ce qui est données socio-démo, on n'a pas besoin d'aller chercher sur la third party data. La raison est la suivante: nous avons Sysplay qui, depuis fin 2015, a une nouvelle version. Cette nouvelle version est passée par un choix fondamental et stratégique qui est l'authentification obligatoire sur le service Sysplay. Donc, si vous voulez accéder au service, comme si vous voulez accéder à facebook.com ou à vente privée, vous allez devoir vous inscrire et nous renseigner votre email, votre prénom, votre âge, votre genre. Donc tout ce qui est données socio-démo, finalement, on les a de façon déterministe sur le service pour les recibler. Ce qui est affinitaire, on vous l'a dit. Et donc celle qui nous manque, typiquement lorsqu'on a un annonceur qui va nous demander de cibler des personnes qui ont un chat ou un chien ou bien qui consomment des produits bio, ce sont des verticales sur lesquelles nous ne sommes pas encore positionnés. Donc c'est à ce moment-là où on fait
appel à un sort de party data provider. Pour info, il y a 2 mois, on a lancé également, on a complété cette offre pub, puisque lorsque vous inscrivez sur le service Sysplay, vous pouvez également en fait vous Facebook connecter. Et donc, ce Facebook Connect nous permet en fait de faire un lien direct et encore une fois déterministe entre nos utilisateurs et les données de Facebook. Donc, ceci c'est traduit par 2 nouvelles typologies de ciblage qu'on peut vous proposer. Et je trouvais que c'était intéressant d'y revenir parce qu'en fait, hier et même aujourd'hui, on a beaucoup parlé de Facebook pour du ciblage client. Donc, comme Facebook, pour les clients qui utilisent Sysplay, nous avons lancé en janvier en mode test and learn avec des annonceurs exclusifs, le Sysplay Custom Audience. Comme le Custom Audience, vous pouvez mettre votre cible d'adresse email hachée de votre CRM et vous pouvez cibler ces personnes sur Sysplay. Vous pouvez prendre le lookalike de ces personnes sur Sysplay si le volume n'est pas suffisant. Vous pouvez également apprendre plein de choses sur ces clients par rapport à la plateforme Sysplay. Par exemple, quel programme ils consomment, quel est leur âge, leur genre de façon déterministe, quels sont les centres d'intérêt qu'ils nous ont déclarés, etc. Etc. Et également une autre typologie qu'on propose, c'est la social target, où là, les personnes qui se sont inscrites via Facebook nous fournissent également leur like Facebook. Donc en fait, on a les mêmes données que Facebook pour un ciblage que vous souhaiteriez. Par exemple, imaginons, vous êtes un annonceur et vous voulez cibler les personnes qui sont fans de votre page ou les personnes qui sont fans de la l'une des pages de la thématique sur laquelle vous êtes positionné. C'est également aujourd'hui une chose qui est faisable grâce à la plateforme Sysplay et toujours dans cette approche déterministe. D'accord. Donc c'est de la sœur, pardon, qui est devenue first en fait pour Sysplay et donc pour vous. D'accord. Donc pour résumer, vous avez structuré vos données first party. Finalement, vous faites des enrichissements avec des bases de données third party quand c'est nécessaire pour avoir une connaissance client additionnelle. Et vous utilisez également des techniques de lookalike modeling pour donner de la puissance aux audiences à forte valeur qui ne sont pas activables effectivement. Le déterministe, typiquement, si vous vouliez cibler toutes les personnes qui ont liké votre page, avec les histoires de recouvrement, etc., vous n'allez peut-être pas avoir le nombre d'impressions souhaitées sur la plateforme. Donc c'est là où le développement d'un lookalike au sein de notre équipe a été réalisé pour en fait pallier à cette limitation. Alors Edouard, de votre côté, en fait, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu plus en détail sur les problématiques que vous avez pour des logiques de temps réel qui valorisent finalement ce patrimoine data que vous avez mis en place? Alors tout ce qui est temps réel chez nous, on l'a vraiment séparé en deux, enfin ce qui est assez logique, il y a tout ce qui est captation, diffusion, puis après il y a tout ce qui est exploitation. Donc c'est des logiques et des projets assez différents. Donc pour nous, l'enjeu déjà du temps réel, c'est de capter les données, de les diffuser à l'ensemble des canaux, déjà pour qu'elles soient visibles. Après, leur exploitation par des algorithmes, ça c'est une logique un peu différente, qui sont des logiques davantage big data, où en fonction de l'exploitation qu'on veut en faire et du résultat, l'algorithme va nous, et les méthodes qu'on utilise vont nous dire s'il faut ou pas les exploiter en temps réel. Donc ce qui n'est pas forcément logique, enfin, je vais vous prendre un exemple sur les devis qu'on peut faire sur Internet. Donc, on, comme beaucoup d'assureurs, hein, vous pouvez faire des devis auto, MRA, multirisque habitation sur le site emacsf.fr. Et on a mesuré que les relances en automatique, en temps réel, enfin dès la fin du devis, n'étaient finalement pas si efficaces que ça, et qu'il y avait un optimal de temps, en tout cas chez nous, qui était plutôt à J+2, avec une seconde relance en semaine d'après. Donc c'est... du coup, en temps réel, l'ensemble des canaux, la visualisation de ces devis, si la personne appelle en même temps qu'elle fait le devis, notre plateau téléphonique, le plateau téléphonique saura que la personne est en train de faire un devis. En revanche, toute l'activation et toutes les relances davantage proactives seront vraiment traitées de manière différente. Donc on sait faire du temps réel sur certains aspects en relance. On fait des études de satisfaction de manière temps réel, des choses comme ça. On peut faire du display sur notre cible et de la personnalisation de site aussi en temps réel. En revanche, on n'a pas voulu basculer dans le tout temps réel parce que parfois, c'est des fausses bonnes idées. Merci.
Karim, au sujet de la structuration donc de vos données first party, est-ce qu'il y a des points qui ont été laissés de côté parce que c'était trop compliqué d'un point de vue technologique jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a encore des données en fait, qui restent à structurer dans le groupe M6 ou qui sont encore très peu utilisées parce qu'il y a des problèmes de synchronisation, des problèmes d'onboarding ou des choses comme ça? Alors nous, pour le groupe M6, les données qui ont encore été laissées de côté sont en fait les données pour lesquelles on ne peut pas encore accéder. Donc c'est tout ce qui est les données liées à la télévision en fait. Tout ce qui est IPTV, c'est-à-dire la télévision par les box internet, c'est juste qu'on n'y a pas accès puisqu'il faut mettre il faut négocier des accords avec les opérateurs Orange, Free, etc. pour pouvoir récolter cette donnée-là. Et tout ce qui est données linéaires, donc télélinéaires, c'est-à-dire tout ce qui est consommation de la télé lorsque vous appuyez sur le bouton 6 ou 9, pareil, là c'est différent, on n'y a pas accès puisque ce n'est pas en fait légal d'y accéder tout simplement en France. Donc pour le moment, les données qui auraient une vraie valeur business pour le groupe M6 et qu'on n'aurait toujours pas ingéré dans la plateforme data de ce programme, c'est plus lié à des limitations contractuelles ou légales. Légal. Et une dernière question, quels sont les risques pour vous quant à la structuration des données? En fait, quels conseils donneriez-vous aujourd'hui aux personnes présentes dans la salle pour la structuration des données? Quels sont les principaux freins? Quelles sont les principales difficultés rencontrées? Et quels sont les principaux risques perçus par un groupe? Alors, je pense qu'en premier conseil, pour ceux qui ont des data scientists dans leur équipe, c'est de ne pas essayer de comprendre 100% de la donnée, sinon dans 3 ans, on y sera encore. Donc il faut savoir être assez pragmatique lorsqu'on analyse les données, et c'est toujours de la donnée non structurée qui est plutôt sale, et c'est normal, je pense que ça doit faire écho pour ceux qui ont eu à avoir de la donnée dans leurs différentes activités. Ils savent que c'est de la donnée sale, donc il faut faire un premier travail de nettoyage, mais ensuite avançons, n'attendons pas de comprendre 100% des données et qu'elles soient absolument propres, sinon on y sera encore. Ça c'est un premier conseil ou risque. J'imagine que vous êtes parti également de use case, en fait, de ce qui allait être utile. Oui, toujours. Bon, c'est pareil, c'est un peu une porte ouverte, mais c'est tellement vrai qu'il faut partir d'un besoin. Nous, dans notre approche, en fait, on est au marketing business development, donc on n'est pas directement rattaché à une BU, on est en support de toutes les BU. Donc nous, notre travail, c'est lorsqu'on voit qu'il y a un use case intéressant à activer, c'est de toujours trouver un sponsoring métier. On a différents clients internes et on va en fait présenter notre approche, leur montrer, leur demander s'ils pensent qu'il y a un intérêt. On récolte leur retour et finalement, si on a ce sponsoring métier, on peut lancer ce projet. Ce projet, il peut être soit du travail de données qu'on a déjà, soit une nouvelle source de données. Et donc, c'est à ce moment-là où on va récolter une nouvelle source de données, par exemple. On ne va pas directement, dès le départ, prendre une plateforme énorme, prendre plein de sources de données et ensuite on verra ce qu'on peut faire avec. On est toujours dans une approche itérative où on a un nouveau besoin, on a le sponsoring métier, ce besoin a-t-il besoin d'une nouvelle techno, d'une nouvelle source? Oui, non, et en fonction de ça, go, pas go. Edouard, de votre côté? Bah, c'est un peu la même remarque. Alors moi je suis côté métier, donc je vais l'exprimer un peu différemment, mais ça revient au même. C'est vrai qu'il y a quelques années, on mettait plein de données, on faisait tourner, on attendait qu'il y ait une bonne réponse qui sorte, sauf qu'on ne s'était pas posé de questions, donc on attendait longtemps. Et c'est vrai, ce qui est important, c'est qu'il y a un métier qui arrive bien à formuler sa question pour avoir une chance d'y apporter une bonne réponse. Et je pense que c'est vraiment ce qui permet d'avoir des travaux autour de la donnée qui sont efficaces, parce que si on ne sait pas exprimer ce qu'on veut, on n'a aucune chance de réussir à le trouver. Après, les sujets techno, je pense qu'ils sont, aujourd'hui, ils sont quand même plutôt maîtrisés. Alors moi, je ne les maîtrise pas du tout, hein, je vous mets à l'aise, mais on a des équipes pour ça. Et on a des compétences nouvelles qui savent en plus exploiter ces technos. Donc aujourd'hui, là-dessus, on est plutôt mature. C'est plutôt des questions d'usage qu'on a.
Et après, c'est aussi des questions de transformation d'entreprise, parce qu'on enfin, parlait du temps réel. Pour faire du temps réel en réaction dans une entreprise, il faut aussi transformer tous nos process. Et ça, c'est de l'acculturation, parce qu'on n'est pas, en tout cas dans les sociétés d'assurance, forcément à jour là-dessus. Quoi. Donc c'est un vrai défi à relever. Alors juste, si je peux me permettre, Anissé, avant que tu... Il y a un acteur, ce qui est extraordinaire, c'est dire à quelle époque nous vivons tout de même. Moi, j'ai cité qu'en 1992, c'est la première année où je travaillais. Et à l'époque, il y avait des gens très importants qu'on appelait les DSI. Et ils n'ont pas du tout été cités sur un sujet pareil, ce qui paraît absolument extraordinaire. Ils n'ont pas beaucoup été cités dans la journée, même non, dans les deux jours. C'est dingue, c'est dingue. Et c'était des dieux. Hein, et voilà. Moi, je n'ai pas dit leur nom, hein, mais c'est eux qui maîtrisent les technos, quoi. Mais justement, mais qui maîtrisent aussi la lenteur du système et des sources, de la lenteur de la modification du système, je dirais, et des sources aussi d'aller-retour complexes avec des engueulades possibles, parce que par rapport à un modèle conceptuel de données et après avec les outils qu'ont les DSI, ou le fait, mais tu me demandes ça, mais tu ne te rends pas compte, mais j'ai ça à faire, j'ai aussi ce problème, il y a ça qui est en prod et qui est bugué, qui est une appli prod et qui est bugué, enfin vous voyez tout ce qu'on vit, même à l'EBG on vit ça, donc c'est dire s'il y a dans des boîtes de votre taille, de la taille de la vôtre. Bah nous le premier langage de développement hein, chez nous ça reste le COBOL, hein, donc c'est sûr que quand on parle de... COBOL pour information, c'est les grands systèmes des années 70. Hein. Ouais, c'est ça. La préhistoire. Alors après, il marche. Hein. C'est ça qui nous a permis d'avoir un fichier client unique aussi. Donc il ne faut pas non plus cracher sur la soupe. Mais on a quand même des sujets de confrontation culturelle permanente. Mais c'est aussi intéressant. Quoi. Une mutuelle, c'est pire encore. Enfin, une agence dans l'assurance, c'est encore. Oh, c'est moi l'assurance. Ah, c'est toi, pardon. On parle bien de Facebook. Attends, j'ai une tête d'assureur. Chez M6, la DSI, elle est super bien. La DSI, elle est top. Et en plus, on en a deux. On a celle du groupe M6. Connaissant Taverneau, c'est pas possible. On a celle du groupe M6 qui est vraiment liée au métier historique et on a celle qui est liée à toute l'activité digitale du groupe. Et qui ira plus rapide, on dira. En fait, les deux sont bien, mais c'est vrai qu'il y en a une qui va encore plus rapide que l'autre. En fait, pour l'anecdote, par rapport à ce sujet, c'est assez intéressant parce que il est vrai que lorsqu'on a lancé ce programme data, en fait, on a réussi à le lancer sans notre DSI. Voilà, c'était vraiment un programme totalement drivé par le marketing. Bon, pour info, moi je suis schizo puisque j'ai un gros background technique et pourtant je suis au marketing maintenant. Et l'équipe de data scientist est également au marketing. Donc c'est vrai que cette relation entre une DSI où on a plus des data dev, des data ingénieurs, avec des process, de l'industrialisation, des tests unitaires, tout ce genre de langage que nous... concrètement, on ne connaît pas. C'est intéressant de voir comment, en fait, on est en train d'inventer une nouvelle façon de développer des outils où même le marketing, pas juste va être demandeur d'une solution, mais va également la co-développer avec sa DSI. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on tente actuellement dans le groupe M6. Et bah, peut-être, on se donne rendez-vous dans un là, moment. Et là, juste un mot, on voit ce qu'est finalement ce qu'on appelle la disruption et l'ubérisation, c'est-à-dire que c'est vraiment un mécanisme de sélection naturelle. C'est-à-dire que dans toutes les start-up qui vont se créer, qui vont aller très vite et dont beaucoup vont se planter, vont mourir, c'est pas grave, puisque c'est simplement des équipes de 10, 20, 15 personnes qui n'ont pas atteint leur objectif, etc. Mais sur le lot, il y en a une qui va grossir et qui risque de bouffer énormément et qui, elle, aura la bonne technologie, développer les bons développements techniques, le bon concept, le bon process, etc. Et qui, elle, donc, ce sont ceux qui ont les bons gènes, en quelque sorte. Et eux, la sélection naturelle va faire qu'ils vont grossir et qui vont être vus par le gros acteur, donc dans le domaine de l'assurance, c'est ce qui est en train de se passer, et quand ils vont vus dans le gros acteur, à ce moment-là, ils sont invulnérables, parce que les conneries, ils les ont déjà faites, et que le gros acteur ne peut pas réagir, parce que c'est reparti, on va faire des tests, on va venir, oui, mais nous, on est équipés en ça, etc. Voilà, c'est tout, c'est un petit détail. Je te laisse, Anissé, on va clore la journée. Bien sûr, non, mais on va quand même demander à nos camarades si vous avez des questions à poser à nos... On a une question juste devant. Bonjour, Dalila David, Nestlé France. Et justement, moi, je travaille dans une structure qui est au support au business. Et une des questions, en fait, c'est ce slide qui est exposé ici. Je ne vous ai pas entendu le commenter. Avant, vous aviez une donnée structurée, réconciliée. Comment, enfin, maintenant, vous avez une multitude de bases de données. Bah c'est moi qui l'ai fait, donc
voyez le format, je n'ai pas passé beaucoup de recherches graphiques. Hein. Je n'ai pas tout misé sur les couleurs. C'est un schéma de DSI, ça. Hein. Oui, voilà. Bah, moi aussi, je suis un peu schizophrène. J'ai un petit passé technique. Voilà, il ne faut pas faire dire à ce schéma plus qu'il ne dit, parce que ne faut pas que ce soit la naissance d'une nouvelle religion, par exemple. Ah. Les gens vénèrent ce schéma en disant, mais il a voulu dire ceci, une sorte d'analyse talmudique de quelque chose en haut à droite. Moins on en met, plus ça veut dire des choses. Quoi. Mais l'enseignement peut-être de ce schéma peut-être pour Non, mais c'est vrai que nous, enfin, dans l'assurance, là, le message, c'est qu'on avait quand même beaucoup de données. Et en tout cas, la MACSF, elles étaient plutôt bien rangées. Donc ça, c'était super. C'est-à-dire qu'on tape, dans nos systèmes, on tape un numéro de client ou on cherche un client. Il n'y en a qu'un qui ressort. Et on voit tous ses contrats, tous ses contacts, etc., etc. Donc ça, c'était la force. Il n'y avait que des données bien rangées, etc. Aujourd'hui, ben, on récupère des données Internet, alors qu'ils sont rapprochés ou pas. On enregistre la voix, les données téléphoniques. Alors là, ça commence à être un peu compliqué parce que... qu'est-ce qu'on en fait? Alors en général, il y a toujours un sociétaire derrière. Et puis ensuite, on commence à rattacher des données de réseaux sociaux, donc on n'est plus très sûr de la personne qui est derrière. Donc on rentre à la fois dans du pur non structuré avec de la voix, du texte, et on rentre en plus dans de la réconciliation un petit peu plus incertaine. Et c'est là-dessus que nous, on est en train de travailler, c'est de... non pas de structurer ces données, mais d'essayer de... Alors nous, on les appelle pas sales, ouais. On les appelle non structurés. On s'est dit que c'était plus propre. Nous, ce qu'on veut, c'est les exploiter. Donc c'est avoir effectivement, alors ce qu'on appelle data lake, enfin, moi, j'ai pas de religion sur le nom, hein, data lake, DMP ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, en structure, c'est une base Hadoop, on met plein de choses. C'est un peu notre bac à sable, on fait des expérimentations, enfin, on fait des expérimentations. Et ensuite, on généralise quand on trouve des résultats probants. Et donc on a plusieurs écosystèmes de base qui nous permettent de le faire. Donc voilà, c'est pour dire, en tout cas, c'est le monde aujourd'hui va nous rajouter de plus en plus de données. C'est super parce que du coup, il y a plein d'opportunités de business à se faire, plein d'opportunités d'enrichissement de la relation client, de personnalisation, etc. Mais après, il ne faut pas tomber non plus dans des caricatures et du coup faire n'importe quoi avec la donnée, relancer les personnes n'importe quand, etc. Donc c'est des vrais enjeux qu'il faut maîtriser, parce que sinon on va perdre complètement le fil et la relation. De la même manière, je pense que face à la fragmentation des données, bon, il y a de plus en plus de points de contact, il y a de plus en plus de données disponibles sur le marché. Après, il faut quand même qu'il y ait une taille critique pour que la donnée soit exploitable, et même dans le cadre de modèles de création de lookalike modeling, pour donner de la puissance à des audiences annonceurs qui ne sont pas suffisamment grandes pour pouvoir être activables en temps réel, à grande échelle, et pour pouvoir, en tous les cas, permettre de cibler l'ensemble des campagnes publicitaires. Autre question ? Bah, écoutez, on va remercier Émilie Karim et Edouard, Nielsen, Groupe M6 et MACSF.